Donc, quel est le thème commun à ces trois documents? Quel est, à votre avis, le problème posé? Par quel document commenceriez-vous la mise en place de votre tableau synoptique? Tracez votre tableau et procédez à l'analyse des trois documents. Donc, document 1. Nous sommes tous contaminés, malades d'hypervitesse. Syndrome, dire, c'est un nom masculin en médecine, ensemble des signes et des symptômes qui caractérisent une maladie. Donc, syndrome dominant du 21e siècle, nous dit Thomas Eriksson, sociologue norvégien. Nous vivons à une époque où la cigarette a remplacé la pipe, où le courrier électronique prévaut, je n'ai pas trouvé le verbe, je pense que c'est prévoir, prévaut sur la correspondance par lettres et où le flash d'information est le produit qui marche le mieux dans les médias. Les articles de journaux sont de plus en plus courts et dans les films, les images se succèdent à un rythme de plus en plus rapide. Les logiciels sont toujours plus rapides et complexes. Les téléphones portables occupent toujours plus les moments libres de notre journée. La radio, les écrans dans le métro, les portables nous assènent. Asséner veut dire, c'est un verbe, porter violemment. Donc les portables nous assènent sans cesse une information fragmentée, superficielle et envahissante. Ces changements aboutissent à un temps unique, maniaque, hystérique. Hystérique, c'est un adjectif en psychiatrie, ça veut dire qui appartient à l'hystérie. Névrose, caractérisée. Névrose veut dire, si je ne me trompe pas, le sujet n'est pas conscient de ses actes. Non, le sujet est conscient de ses actes, de sa maladie. Par rapport à psychose, ce qui veut dire le sujet n'est pas conscient de ses actes. Donc, névrose caractérisée par une exagération des modalités d'expression pouvant se manifester par des crises convulsives, des attaques, etc. Dans le cas d'un non, en psychiatrie, personne atteinte d'hystérie, névrose caractérisée par une exagération des modalités d'expression, pouvant se manifester par des crises convulsives et des attaques, etc. Donc, hystérie, hystérique, qui ne tend vers aucun avenir qui ne soit l'instant d'après. Il faut repenser l'urbanisme dans l'optique d'une architecture de la lenteur avec des rues tortueuses et la priorité donnée au trafic lent sur le trafic rapide. La lenteur doit être protégée. Elle a besoin de mesures incitatives, d'aide publique, de subventions. Le plus probable, c'est que chacun d'entre nous trouve
sa propre voie vers la lenteur en éteignant son portable ou en se ménageant. Ménager. Dans le cas d'un verbe, c'est employé avec économie, avec réserve, avec prudence. Traiter quelqu'un avec égard. Traiter quelqu'un avec prudence. Ou encore traiter avec modération. Préparer avec soin. Ménager une entrevue. Pratiquer, disposer, faire divers arrangements. Se ménager veut dire, c'est un verbe pronominal, épargner ses forces, s'organiser, s'arranger. Donc dans notre cas, ou en se ménageant, veut dire, ou en s'arrangeant des oasis. Oasis, c'est un nom féminin qui veut dire endroit fertile au milieu du désert grâce à un point d'eau. Encore refuge, endroit agréable dans un environnement qu'il est moins. Au sens figuré, moment paisible au sein d'une situation pénible. Donc on pourrait, dans notre cas, on pourrait dire au sens figuré, moment paisible au sein d'une situation pénible, si je ne me trompe pas. Donc des oasis protégées réservées aux loisirs et à la vie affective. Par Angiola, Codaxi, Pisanelli, l'hypervitesse, maladie du 21e siècle. Courrier international numéro 738-739, décembre 2004. Il y a un mot nouveau dans ce texte, c'est hypervitesse. Il a été construit. C'est un mot qui ne se figure pas dans le dictionnaire. Donc le sens de névrose, c'est un nom féminin. Affection caractérisée par des troubles psychiques dont le malade a conscience. Par extension, déséquilibre psychique. Donc, document 2. À titre personnel, la vitesse intervient dans ma vie à la fois comme nécessité et comme plaisir. Nécessité d'accéder sans encombre aux autoroutes d'une information circulant à des débits de plus en plus grands. Nécessité de me rendre à l'étranger en quelques heures pour les besoins de ma fonction. En même temps, la vitesse est un plaisir. Pratiquant des sports extrêmes, j'éprouve un plaisir certain à skier vite, à faire en sorte que mon catamaran veut dire en marine, voilier ayant deux coques couplées avec un habitacle suspendu entre ces deux coques. Donc à faire en sorte que mon catamaran finisse en tête de la régate. Régate veut dire, c'est un nom féminin, course de bateau. Vieillie, sorte de cravate. Donc dans notre cas, c'est course de bateau. Ou plus généralement, à frôler le danger de la vitesse. Aussi, devant les excès de la vitesse, faut-il savoir raison garder et se donner la possibilité de réintroduire dans ses activités de la lenteur, de la pérennité.
Pérennité, c'est un nom féminin qui veut dire état de ce qui dure, continue, continuité. De ce qui dure toujours, pardon, état de ce qui dure toujours, continuité. Savoir, donc, dans ses activités de la lenteur, de la pérennité, savoir ajouter du temps au temps pour se construire progressivement et conférer. Conférer veut dire, c'est un verbe, discuter qui veut dire discuter, comparer, mettre en parallèle, donner un pouvoir, accorder. Donc dans notre cas on pourrait dire accorder et conférer ainsi, c'est-à-dire et accorder ainsi du sens à ses actions. Dans nos sociétés industrialisées, informatisées, connectées aux autoroutes de l'information, la vitesse peut apparaître comme un dangereux catalyseur de fracture sociale. Donc, catalyseur veut dire dans notre cas on est dans le cas on est c'est un nom masculin, chimie, substance chimique dont une petite quantité provoque la catalyse, déclenche une réaction chimique. Personne ou encore personne ou situation qui provoque une réaction soudaine. On pourrait également dire déclencheur. Donc un déclencheur de fracture sociale. Il y a les bénéficiaires de ce monde à grande vitesse et les autres. En plus du désormais célèbre fossé numérique, j'aimerais faire prendre conscience de l'existence d'un fossé temporel. Donc fossé veut dire, c'est un nom masculin, fosse creusée en long dans le sol pour séparer des terrains, laisser s'écouler les eaux ou défendre. Bande de terrain affaissée entre des failles, au sens figuré, ce qui sépare profondément. Donc dans notre cas, on pourrait dire ce qui, au sens figuré, ce qui sépare profondément. Faut se dire trou creusé en terre pour inhumer les morts, cavité naturelle à la surface de la terre, chasse, piège à gibier, encore cavité plus ou moins grande dont l'ouverture est plus large que le fond. Donc ça c'est pour fosse. Donc dans notre cas c'est ce qui sépare profondément. Par Joël de Rosnay, avons-nous encore le temps? Futura Science, mars-avril 2001. Dans le document 3. Pourquoi le plaisir de la lenteur a-t-il disparu? Ah, où sont-ils les flâneurs d'antan? Flâneur veut dire, c'est un nom masculin. Celui qui flâne dans chacun des sens, dans chacun des deux sens. Dans le cas d'un adjectif, c'est-à-dire qui flâne, se promène sans but précis. Ou encore qui perd son temps avec plaisir, qui paresse. Danton. Déjà, Anton, c'est un nom masculin singulier qui veut dire l'année passée, par extension, il y a longtemps. Expression d'antan veut dire d'il y a longtemps, vieux. Ah, où sont-ils les flâneurs d'antan? Où sont-ils ces héros fainéants des chansons populaires, ces vagabonds qui traînent d'un moulin à l'autre et dorment à la belle étoile? Ont-ils disparu avec les chemins champêtres? Champêtre veut dire, c'est un adjectif
singulier qui veut dire relatif à la campagne, au champ. Garde champêtre veut dire préposé à la police municipale. Donc c'est pas ça. Donc c'est relatif à la campagne, au champ. Avec les prairies. Prairies veut dire, c'est en géographie, c'est un nom masculin. En géographie, sol entièrement recouvert de plantes herbacées ou encore vaste steppe d'Amérique du Nord, autrefois habitée par les Indiens. Ou encore terrain couvert d'herbes pour le bétail. Donc dans notre cas, c'est plutôt la géographie. Sol entièrement recouvert de plantes herbacées. Et les clairières, c'est un nom féminin qui veut dire dans une forêt, lieu dépourvu d'arbres. Et les clairières avec la nature. Un proverbe tchèque définit leur douce oisiveté. Oisiveté, c'est un nom féminin qui veut dire état d'une personne oisive, inactive, désœuvrée, par une métaphore. Métaphore, c'est un nom féminin en rhétorique, veut dire figure qui consiste à modifier le sens à un mot et à un mot en lui attribuant une signification par comparaison sous-entendue. Il contemple les fenêtres du bon Dieu. Celui qui contemple les fenêtres du bon Dieu ne s'ennuie pas. Il est heureux. Dans notre monde, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement. Désœuvrement, c'est-à-dire, c'est un nom masculin qui veut dire en langage soutenu, fait d'être désœuvré, c'est-à-dire sans travail, sans occupation. Donc, dans notre monde, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose. Le désœuvré. Le désœuvré, dans notre cas, c'est un nom masculin qui veut dire celui qui est sans occupation, sans travail. Le désœuvré est frustré, s'ennuie et à la recherche constante du mouvement qui lui manque. Par Milan Kundera, Kundera, La lenteur, édition Gallimard, 1997. Au pamphlet veut dire c'est un écrit satirique qui dénonce. Donc dans la première question, on nous demande quel est le thème commun à ces trois documents. C'est l'accélération du rythme. Ensuite, on nous demande quel est, à votre avis, le problème posé. Donc la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est l'hypervitesse. Est-ce qu'elle est condamnable? Ou encore, dans quelle mesure peut-on résister à l'accélération du rythme? Donc ça, c'est la problématique. Ensuite, nous avons le tableau synoptique. On a ici doc 1, doc 2, doc 3. On a ici la piste de réflexion. Les pistes de réflexion. Bon, le tableau n'est pas encore complet. Il n'est pas encore complet.